Les SBAM. Derrière, au bout. Le petit trou que j'ai trouvé. J'ai rêvé qu'il y avait un tunnel derrière mon placard et il nous menait au monde des licornes multicolores. Donc aujourd'hui, on est au Centre culturel Jacques Prévert de Villeparisis pour l'accrochage de l'exposition sonore et visuelle Les boîtes à musique, les SBAM. Et c'est une exposition que j'ai conçue et réalisée avec Joachim Carossa et les enfants d'une classe mixte maternelle CP de l'école Barbara à Villeparisis. Donc l'idée, c'est que les enfants ont suivi le cheminement créatif du projet, mais aussi évidemment participé à l'œuvre. Ce projet a pu prendre naissance dans le cadre du dispositif Les Fabriques à Musique SACEM. Moi, c'est le mot fabrique à musique qui a tout de suite inspiré authentiquement le fait de fabriquer de la musique avec les enfants. Et ça m'a fait glisser naturellement sur la question des boîtes à musique, qui est une des premières fabriques sensorielles de l'enfant. Et je trouvais que symboliquement, c'était un bon point de départ pour que chaque boîte permette un nouveau rêve, si vous voulez. Un Alice, un Martien, une boîte au trésor, des mobiles à toper des parents, des mobiles sans mobile apparent. Nous avons donc eu comme présentation les boîtes à musique, qu'est-ce qu'on allait faire avec. Et en fait, assez rapidement, les enfants ont pris comme projet la première boîte à musique, qui était celle autour d'un monde d'extraterrestres. Donc nous, en classe, on a commencé à chanter la chanson, à la ressentir. On a aussi des moments où les enfants ont enregistré leur petite voix pour imiter des oiseaux. Les enfants ont beaucoup aimé aussi découvrir les instruments depuis 2 semaines. On a fait intervenir 2 musiciens qui sont Andrei Karasenko et Benachir Boukatem, percussionniste et altiste de l'Orchestre National d'Île-de-France, que j'ai fait en mode chrono, vraiment top chrono, en à peu près 2 séances d'enregistrement de 40 minutes chacun. On a dû enregistrer 12 minutes de musique respectivement pour les uns et les autres, que j'avais amené sous forme de partition graphique, voire même dans l'Iminur, partition, des espèces de partitions dessinées notamment par les enfants eux-mêmes. Nous avons travaillé à partir de matériaux bruts que le compositeur Jonathan Pontier a conçus et a travaillé avec eux au préalable. Et nous avons enregistré des pistes musicales par-dessus le travail qui a déjà été fait. Ce genre de projet, pour moi, est essentiel. Essentiel dans notre métier, puisque c'est la manière, pour moi, la manière qui permet un échange direct avec les enfants, puisque les enfants, c'est notre public de demain, et c'est presque une obligation qu'on puisse aller vers eux, expliquer ce que c'est la musique. Je leur ai posé des questions, je les ai fait parler, je les ai fait partager leurs sensations pour mieux orienter la destinée de cette pièce qui est maintenant prête à être partagée avec un plus large public. Quelques mots sur Joachim Carossa, le scénographe du projet. C'est un artiste polyvalent, homme à tout faire. Il fait tellement de choses que je ne voudrais pas l'enfermer dans une boîte, c'est le cas de le dire. Je pense que mes élèves, ils vont être très heureux de montrer à leurs parents le projet qu'ils ont réalisé. On était contentes de faire tout ce qu'on a fait. Moi, j'ai pensé que c'était très bien, le décor, parce que c'était très bien fait. Aussi, c'était bien parce que ici, ça faisait peur et d'avoir peur, des fois, c'est bien. On est content qu'on a fabriqué tout ça. J'ai vu des trucs qui font peur là-bas. J'ai vu des décors et ils sont beaux, on devait lire. On a rencontré des musiciens. C'était bien parce que aussi vous pouvez faire de la musique avec des instruments. J'aimerais bien que les musiciens y reviennent.
quand on a fait de la musique, ça nous a appris à en faire bien. Avec Jonathan, on a bien travaillé. J'ai hâte que mes parents y voient ça. C'est une très belle exposition. Franchement, c'est un bonheur pour les enfants et pour tout le monde. Franchement, c'est vraiment top. J'ai trouvé ça très intéressant et super sympa de nous avoir présenté leur expo que nos enfants ont fait. C'est convivial, ça, c'était magnifique par rapport à nos enfants et tout. Ça fait appel à l'ouïe, au toucher, à la vue. Donc, une très belle exposition. C'est intéressant, ça stimule la pensée des enfants et tout. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment aimé. L'exposition s'est très bien passée. Les enfants ont pris beaucoup de plaisir. Enfin, tout le monde s'est amusé. Donc, je suis super contente du résultat. Dans mon grand jardin, quand je suis sortie ce matin, quand je suis sortie dans ce grand jardin, il y avait un, il y avait deux, il y avait trois Martiens.